Je suis tout à fait ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair Show en ce beau lundi 18h, bien sûr lundi, mercredi, vendredi, où nous allons faire de plus en plus de vidéos ou voilà, diverses, variées, enfin plein de choses au fur et à mesure que je vous expliquerai, raconterai, où on fera des vidéos avec de la musique, des buts de Valence et compagnie, et puis les mystères de la région, parce que vous savez que ça me touche de prêt. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter d'un événement et vous parler d'un événement qui s'est produit donc le 31 août 1997, mais au-delà du 31 août 1997, c'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo « Une nuit, un jour, une histoire » de ce qui s'est produit cette nuit-là. Donc il faut vous expliquer qu'à ce moment-là, je venais de finir mon travail en Angleterre, où j'ai travaillé pendant des années, bien sûr, où j'avais décidé de rejoindre mon compagnon qui était sur la Belgique, qui était britannique d'origine, Alan, je peux vous donner son prénom, Alan, et nous avions décidé, si vous voulez, que j'arrête ma profession là-bas, parce que lui avait ouvert la sienne quelques années plus tôt dans le bâtiment. Alan est un grand gaillard de 2 mètres de haut, voyez-vous, un dieu des stades, parce qu'il était super maos costaud, voyez-vous, rugbyman. Il était aussi coach de rugby. Et nous avions décidé donc de vivre aux 10 rues du Mont Saint-Alban à Bruxelles. Donc je mettrai bien sûr, comme d'habitude, des photos les unes derrière les autres. Alors nous avions l'habitude, alors pour nos amis belges de Bruxelles, hein, pas de Bruxelles mais de Bruxelles, je tiens à spécifier parce qu'on dit jamais Bruxelles, hein, c'est très important pour eux, c'est une question de respecter les gens dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent dans leur pays. Moi j'ai toujours fait ça, ça m'a toujours servi. Alors on avait l'habitude le dimanche, si vous voulez, de se retrouver à la gare du Midi. Il y avait le marché, hein, le dimanche matin, où on allait manger, vous savez, des petites saucisses dans les sandwichs moutarde, et puis alors les oignons frits, qu'est-ce que c'était bon, et après on allait prendre l'apéro dans le quartier avant de revenir. Alors il était question, si vous voulez, à l'époque, quand je suis revenue en Belgique, bon je faisais la navette tout le temps, hein, bien sûr, mais si vous voulez, pour les Français, ils n'arrivent pas à comprendre ce genre de choses, parce que tout le monde commence leur vie à un endroit en France, et ils le finissent au même endroit. Alors que là-bas, mais nos amis Lillois, nos amis Ch'tis vivent exactement la même chose. Bon nombre d'entre eux vont travailler à Londres ou n'importe où, ou en Allemagne, et rentrent le week-end au bercail, si vous voulez, à leur propre maison. Alors c'est ce qui se passe aussi en Belgique. Personnellement, j'adorais tout ce qui est business en Angleterre, si vous voulez. Mais le côté affectif, le côté rigolade, potes et poteaux et compagnie, pour moi c'était la Belgique. On allait très souvent d'ailleurs à nos amis belges, au Square Schumann là-haut, là où il y a la peste aux étoiles notamment, et au Berlaymont, et on allait au Papa Joe's, si vous connaissez bien évidemment, où il y avait beaucoup de Britanniques, où on faisait l'apéro et la fiesta tous les week-ends. Voilà, je vous fais un petit peu le décorum, et le but, si vous voulez, en rentrant, c'était de m'occuper de ces affaires, puisque c'est moi qui les avais montées en Belgique, puisque j'avais mon petit relationnel là-bas. Et en parallèle, on avait prévu d'acheter une maison tout à fait simplement. Donc, en revenant, c'était court en route, hein, j'étais revenue donc en Belgique, hein, donc en 1997. J'ai dit à mon compagnon ce soir-là, ce fameux samedi soir-là, j'ai dit « Écoute, je suis exténuée, je suis fatiguée de ma semaine, j'avais besoin de
voyez-vous, de couler, hein, tout simplement. Parce qu'il faut vous dire qu'en Angleterre, quand on travaille, on n'a droit que 3 semaines de vacances par an et que 10 jours d'affilée, voyez-vous. Et les semaines, c'est 6 jours par semaine. Marqué, on était bien payé. Ça n'a rien à voir au niveau des finances par rapport à la France. Ça, c'est une certitude. Donc, quand je suis revenue, j'ai dit à mon compagnon, écoute, c'est 22 heures, je suis fatiguée, je vais me coucher, mais j'en pouvais plus. Donc, il me dit, ben, écoute, pas de souci. Alors, il ne parlait pas français, Alain. Il ne parlait pas néerlandais, puisque vous savez qu'en Belgique, il faut aussi parler néerlandais dans les affaires. Donc, il ne parlait qu'anglais. Mais avec les Flamands, ça allait très bien. Avec les Français, c'était, enfin, le côté francophone, c'était un peu plus compliqué. Donc, je suis allée me coucher et à 1 heure du matin, je vois qu'il rapplique dans la chambre. Je lui dis, ça va? Et mais il était en pleurs. Alors, un gaillard un gueux du stade qui est en pleurs, c'était pas du tout son style. Il travaillait en plus, il avait son entreprise dans le bâtiment. Je comprenais pas trop. Et en pleurs, il m'a dit, c'est Lady Di. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut vous expliquer, c'est que j'adorais Lady Di et qu'Alain, évidemment, on adorait Lady Di. Pourquoi Lady Diana, pardon, hein. Pourquoi on adorait Lady Di? Parce qu'elle était hors du commun, elle était atypique. Vous voyez ce que je veux dire? Rien à voir du tout. Moi, j'aime pas les gens ordinaires, ça me saoule. Donc, elle, au moins, elle se battait pour ses gosses et compagnie. Et à ce moment-là, alors j'ai pris 2, 3 notes pour bien vous donner les endroits parce que depuis j'ai eu des précisions. Donc je vous les donnerai au fur et à mesure. Et il me dit, elle vient d'avoir un accident de voiture donc à Paris et il m'a dit, lève-toi. Alors donc j'ai dit, ok, fais-moi un café, j'arrive. Donc je vois ça. Donc on est resté jusqu'à. Bon, on a passé toute la nuit devant la CNN, puisque lui ne parlait pas français, et la BBC aussi un petit peu, et on avait une autre chaîne, je crois pas que c'était Sky News, mais il y avait une autre chaîne aussi qui était en boucle hein. À l'époque, je vous le rappelle, en France, il n'y avait pas de CNN et tout ça n'existait pas encore. Et il faut vous dire aussi qu'en Belgique, on avait gros avantage, c'est que les Belges ont eu l'intelligence très tôt de mettre le câble pour la télé, ce qui faisait qu'on avait énormément de chaînes. La France, niet, mais ça a toujours été problème en France. Donc, on est resté toute la nuit. Lui, il pleurait comme une madeleine. Il me disait, elle est morte, elle est morte. Bon, il le ressentait parce qu'il était très, très intuitif, hein, très sensible et très intuitif. Bon, j'ai essayé un peu de le calmer, le jeu, mais au fond de moi, j'étais dévastée parce que la personne, pour moi, était. Il y avait deux personnes que j'adorais, c'était Lady Diana et Jill Nando, mais on en reparlera après. Jill Nando était une présentatrice de télévision, mais on en parlera juste après. Parce qu'il y a un point commun entre les deux. La nuit, donc, pendant qu'on était sur la CNN, on voyait et on entendait ce qu'il se passait. Le seul souci qu'il y avait, les amis, c'est qu'entre la différence des informations en France et la différence des informations qu'on avait par la CNN, qui était reliée directement, faut savoir que la CNN a une antenne sur Paris également, au pont de l'Alma, il y avait des gens qui étaient sur place, les retours qu'on avait étaient complètement différents. C'est-à-dire, et je vais vous dire les choses telles que nous, on les a vécues de l'intérieur, mais à la fois cette journée, le lendemain, et surtout toute la semaine qui a suivi, parce que j'ai rarement eu de la haine comme ça à titre personnel. D'accord, j'étais toujours dans le respect des gens, dans ce qu'ils vivaient, dans ce qu'ils étaient, mais là, j'étais verte de rage. Donc, quand on était à la CNN, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une famille qui est américaine, qui était sous le pont de l'Alma, qui traversait en même temps que Lady Di. Et ils ont vu une moto dans un premier temps arriver sur les bords de la voiture de Lady Di, d'accord, et d'Audi Alpha Yen, hein, d'accord. Et la moto a dépassé et d'un seul coup une Fiat Uno blanche a dépassé, a frôlé sur le, qu'on appelle ça, sur le flanc de la voiture, la Mercedes, par le côté droit, d'accord. Et elle est passée juste devant et d'un seul coup des phares, des projecteurs immenses derrière qu'on appelle ça, derrière la vitre de la Uno, ben, ils se sont éclairés et puis, mais c'était,
on pouvait plus voir, quoi. Je veux dire, c'était incroyable. Et cette famille-là, alors ils étaient cinq à bord de la voiture, je me rappelle très bien. Et cette famille-là, d'ailleurs, on n'en a jamais entendu parler en France, d'accord, était ferme et c'était des gens sensés, tout à fait sensés. Ils ont dit oui, c'est un meurtre. D'entrée de jeu, ils ont dit c'est un meurtre. D'accord? Alors, après, on a accusé en France les photographes, on a accusé en France, bon, je sais pas, mais voilà. Mais pour moi, c'était organisé cette histoire. Bon, j'ai fait une vidéo sur Lady Diana sur l'autre chaîne que vous pouvez aller voir si vous voulez. Je verrai si je peux vous la mettre en lien direct, voilà, avec cette vidéo. Mais comprendrez mieux les tenants et les aboutissants. Donc, il y a eu cette famille américaine. Il y avait une autre famille, je crois, qui était d'Amérique du Sud, qui a confirmé les dires de cette première famille. Donc, il y avait bien, vous savez, cette Fiat Uno et compagnie. Alors, on a dit pendant des années, enfin, inventer des choses à droite à gauche qui n'avaient rien à voir, malheureusement. D'accord? Ça, c'est la première partie. Donc, on apprend son décès aux alentours de 4-5 heures du matin, je ne sais plus exactement l'heure, le 31 août. D'accord? Et à ce moment-là, bon, mon conjoint était complètement dévasté. Bon, moi, c'était guère mieux dans le genre. Franchement, alors ça, là, je l'avais pas vu venir du tout. La reine d'Angleterre, et c'est là où ma colère et mon courroux étaient vraiment ça montait. Alors, il faut bien que vous compreniez, c'est qu'en Angleterre, ça a été un raz de marée. Un raz de marée, les gens étaient dévastés, c'était épouvantable. Puisque le 6 septembre, je suis allée à Westminster, Alain n'est pas venu parce qu'il n'a pas voulu, mais j'ai dit, moi j'y vais. Bon, le jour de l'enterrement, pas pour entrer dans l'église parce que ça c'était pas possible, mais de rester à l'extérieur si vous voulez, de voir ce qui se passait. Et les gens étaient dévastés, complètement dévastés. Et pendant plusieurs jours d'affilée, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de sympathie pour Charles le troisième et pour la reine d'Angleterre parce que pour moi tout a été cassé là. À ce moment-là, il s'est produit un événement. La reine est restée en silence. On a dit dans le temps qu'elle était restée en silence par rapport aux enfants de Lady Di, de William et de Harry. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on a annoncé. Puis elle est apparue soudainement sous les, comment dirais-je, sous l'obligation, parce que Tony Blair venait juste d'être élu. Pour tout le monde, c'était une bouffée d'espoir, ce bonhomme, puis il s'est avéré comme une véritable hors point dur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On sait aujourd'hui qu'il est l'un des responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Bon. Et il a été présent, il a été obligé, alors aujourd'hui il s'en défend, mais il a été obligé d'imposer sa loi vis-à-vis de la reine d'Angleterre, parce que je rappelle que la reine. Et le roi Charles aujourd'hui est toujours, comment vous dirais-je, ils sont au service de l'État. C'est l'État qui les paye. Donc ils ont un effet marionnette, si vous voulez, pour moi. Et à ce moment-là précis, elle est apparue. J'ai dit quand même, elle apparaît. Mais tout le monde ne la voyait pas de la même façon, parce qu'elle est à Balmoral en Écosse quand ça s'est produit. Avec les gamins, et ils sont redescendus un peu plus tard sur Buckingham Palace, si vous voulez, et elle est arrivée, elle est sortie de son véhicule en essayant, bon, il y avait des tas de fleurs à Kensington Palace, par exemple, etc., et il y avait des fleurs de partout au portail de Buckingham Palace, d'accord? Elle est sortie, et à ce moment-là, elle a essayé de discuter avec les gens, mais les gens, il y avait plus, le cœur n'y était plus vis-à-vis de la reine. Et j'ai bien cru que c'était la fin de la reine à ce moment-là. Parce que quand on voyait, pas la BBC, mais je m'en suis toujours méfiée de la BBC, à part pour certaines émissions, mais j'aimais beaucoup Sky News, des choses comme ça, si vous voulez, CNN, où on avait vraiment des choses en face, voyez-vous. Non, c'était pas Sky News, c'était Channel 4. Voilà, d'accord, je le dis, parce que pour essayer d'être précise. Et à ce moment-là, elle est revenue, elle a tenté de faire elle est avec une robe noire en deuil. J'ai dit quand même, elle a au moins du respect pour cette dame, d'accord, Lady Di.
Oui, on est proche l'une de l'autre, hein, dans nos naissances avec Lady Diana. Et ce qui a fait que j'ai eu une espèce d'attirance vers cette femme qui était de mon temps, de mon époque et compagnie, qui était pour moi la reine des cœurs. D'ailleurs, elle a fait une émission Panorama, où elle a été d'ailleurs très très manipulée, où elle s'est appelée elle-même la reine des cœurs. J'abonde dans son sens parce qu'elle était aimée, parce que justement, elle n'était pas parfaite. Le jour des funérailles, le 6 septembre, donc j'y étais, et j'ai eu la chance de voir passer le cercueil, enfin la chance, excusez-moi, le cercueil de Diana. Donc oui, parce qu'on lui avait mis le drapeau des Windsor, vous savez que la reine s'était offusquée que Charles III, enfin Charles, lui mette le drapeau des Windsor, remarquez, il aurait pu s'en passer aussi. Et j'ai vu Harry, donc j'étais pas loin, enfin juste derrière la balustrade, si vous voulez, passer avec William derrière le cercueil. J'ai dit, mais c'est immonde ce qu'ils font à ces petits. Et Harry l'a reconnu beaucoup plus tard. D'accord? Il l'a reconnu beaucoup plus tard. Enfin, comme quoi on est dans un monde de frappadingue, parce que le Charles, au lieu de faire une famille avec cette femme, parce qu'elle a été imposée, hein, Lady Diana, il aurait mieux fait de se marier avec la Camilla et qu'on n'en parle plus une bonne fois pour toutes. De toute façon, tout ça pour ça, vous allez voir qu'après le retour a été vraiment. Donc, ils ont fait les funérailles. Ils ont mis le corps donc à Alsorp, donc dans la famille des Spencer, au château des Spencer. Alsorp, donc c'est le nom du château. Le frère, donc ils l'avaient mis sur une petite île, si vous voulez, proche d'un lac, d'accord? Et qu'est-ce que je veux dire? Le corps a failli être enlevé quatre fois. Quatre fois, des gens sont venus pour tenter d'enlever le corps et compagnie sur cette île, si vous voulez. Donc, ils ont décidé de la remettre dans le caveau familial, mais ça, on ne le sait véritablement que depuis 2023. William et Kate se sont exprimés sur le sujet dans une église qui s'appelle l'église Sainte-Marie-la-Vierge à Great Brighton, d'accord? Donc je vous encourage si vous allez là-bas et d'ailleurs je vous mettrai quelques photos. Alors c'est très difficile d'avoir des photos de l'église aujourd'hui parce qu'il y a une espèce d'individu qui a bloqué toutes les photos sur Google et compagnie en disant qu'elles leur appartenaient, en faisant encore un escroc de plus. On a l'habitude, d'accord? Et ce qui a eu d'étrange, donc je suis revenue donc dégoûtée de la famille royale. Alors, le roi Charles III, pourtant j'ai toujours eu du respect, voyez-vous, pour les gens. Je suis rentrée, là j'ai eu envie de le maudire, ce type, voyez-vous, je le trouvais pathétique. Et quelques temps plus tard, j'ai fait même une émission à la BBC, puisque j'ai été conviée par John West. Il m'avait demandé, c'était en 2005, que je vous dise pas de bêtises. Non, 2015, j'ai été conviée. Excusez-moi, j'essaye de retrouver toutes mes dates. En 2015, j'ai été conviée pendant que j'étais à Londres, enfin, à Stansted pour mes cours. Il m'a dit, bah, écoute, viens faire une émission de radio, c'est un dimanche matin. Et il m'a demandé qu'est-ce que je pensais de la situation. Il m'a dit, est-ce que tu penses que Charles III, Charles, enfin, c'est pas le troisième, mais Charles sera roi? Je lui ai dit, écoute, ça m'étonnerait. Mais s'il est, ça ne durera pas longtemps. Donc, c'est exactement ce qui se produit actuellement. Et comme vous le savez, j'ai fréquenté des gens assez haut placés. Bon, j'ai décidé de refréquenter un certain niveau parce que pour moi, c'est très important. Et j'ai eu la chance d'être conviée en 2008, le 11 novembre 2008. Je vais essayer de retrouver l'invitation. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais enfin, si je la retrouve, vous montrerai. Par le président de l'époque, donc vous n'aurez pas du mal à comprendre de qui il s'agit. J'ai été conviée parce qu'il y avait à Verdun, donc le 11 novembre 2008, il y avait d'ailleurs Nanine Morano que j'apprécie parce qu'elle a son franc-parler. Moi, j'aime pas les gens ordinaires, ça me saoule. Et donc, j'ai été conviée à assister à la cérémonie du 11 novembre à Verdun. Et compagnie. J'ai regretté d'y être allée parce qu'on se pelait on se pelait. J'habitais à Guénot à l'époque. J'avais fait la route jusqu'à Verdun. Je suis partie, je sais pas, à 2 h du matin, un truc comme ça. On est arrivé, on nous a fait mettre les voitures dans un hangar. Enfin, c'était un énorme hangar. Bon, voilà. Et après, on nous a amené en bus là-bas. Donc, il y avait des anciens ministres, notamment un ancien ministre de l'industrie de Haguenau,
qui se prénomme François. Je lui donne mon bonjour. Bon, c'est connu là-bas aussi. Enfin, par Verdun, on se connaissait à Haguenau, bien sûr. Et tout le panel de personnes, il y avait des députés, il y avait plein de gens, voilà, connus sur place, mais on se pelait les haricots. Donc, ça n'en finissait plus d'attendre, d'attendre, d'attendre. Et j'ai vu arriver d'un seul coup, ils étaient en contrebas, si vous voulez. Il y avait le Nicolas et la. Le Nicolas, il y avait le Charles et sa Camilla, je l'appelais Mushrooms. Mushrooms, ça veut dire champignon en anglais, parce qu'elle avait un chapeau comme ça. Voilà, et il y avait la Nadine qui était à l'arrière. Et ils ont monté les escaliers jusqu'à nous. Alors, comme moi, j'étais proche de la balustrade à l'entrée du musée, là, enfin, là où sont le mémorial, si vous voulez, elle est arrivée, elle s'est approchée. Et quand je les ai vus, j'ai même pas salué rien du tout, je me suis pensée pathétique. Voyez-vous? Pathétique. Voilà ce que j'en ai pensé. J'ai dit là, on est vraiment la bassesse de la médiocrité, c'est ça aurait été ma frangine ou ma mère, j'en aurais collé une bonne. Voyez-vous? Voilà. Donc, voyez-vous comme quoi le retour des choses. Mais dire que, je vous rappelle que la princesse, enfin. Pour moi, Diana, hein, Lady Diana, si vous voulez, était beaucoup plus britannique que la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, il ne faut pas l'oublier, c'est une Saxe-Cobourg, que les Spencer sont vraiment enracinés sur la terre d'Angleterre. Hein, donc, on n'était pas du tout dans la même, mais dans la même sphère. Mais je vais vous dire, c'est la première fois que j'ai vu la couronne à deux doigts de vaciller. Faut quand même pas oublier, et c'est là où on va aborder un autre domaine, c'est Jill Nando. Il faut pas oublier que quelques mois plus tôt, Lady Diana était en Angola, autant que je me rappelle, et elle avait, donc c'était concernant les mines antipersonnelles, et elle avait pris une position, donc elle dérangeait forcément. D'accord? Vous commencez à comprendre, faut pas oublier que le mari de la reine à l'époque, Philippe, et avait la main mise dessus, enfin, sur certaines entreprises d'armes. Mais, enfin, j'espère que je ne vais pas avoir de problème. D'accord. Jill Nando, dont nous partons maintenant au 26 avril 1999, soit près de 2 ans après le décès de Lady Diana, une autre personne qui lui ressemblait véritablement beaucoup, Jill Dando. Jill Dando, donc présentatrice de la BBC. Elle avait commencé par une émission qui s'appelait Songs of Praise. Alors, je vous mets bien sûr les photos qui défilent. Songs of Praise, d'accord, c'est tous les dimanches, si vous voulez, vous avez une émission, enfin, je ne sais pas si elle existe toujours, mais à la BBC, où les gens se réunissent avec des chorales et on chante sa foi hein, vis-à-vis de Dieu, etc. C'est très religieux. Voilà, donc elle s'occupait de ça. Puis, elle a été appelée pour une émission qui s'appelait Crime Watch. Crime Watch, c'est une émission, si vous voulez, qui était basée sur le fait de rechercher des criminels. Mais il faut bien vous dire que la police en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni, et la police chez nous, c'est-à-dire je veux parler de Scotland Yard hein, principalement, ils sont hyper efficaces. Ils sont très, très efficaces, d'accord? Chez nous, ça laisse un peu plus à désirer sur ce côté-là, d'accord? Et Jill Nando, donc, dirigeait cette émission. 3 semaines avant son décès, donc début avril, elle fait une émission, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait l'émission de la guerre au Kosovo, voyez-vous? D'accord. Et elle fait une émission où elle appelle, en fait, elle fait un appel aux dons pour aider les réfugiés du Kosovo, enfin, pour aider tous les réfugiés. Donc, elle fait un appel aux dons. 3 semaines plus tard, elle rentre chez elle, d'accord, et elle est attendue par. Alors, on sait aujourd'hui, on a des suppositions sur la personne, on sait que elle a été assassinée, si vous voulez, avec un pistolet sur sa tempe droite, autant que je me rappelle, d'accord, sur sa tempe droite, et elle a été assassinée froidement. On sait aujourd'hui que ça a été commandité donc par la Serbie. Ça, c'est une évidence, puisqu'on le sait. Un certain
Barry George, d'accord, a été arrêté, on a retrouvé, il a fait de la prison et compagnie, puis relaxé, je crois que c'est en 2017 ou un truc comme ça, en disant bon, qu'il n'y avait pas d'évidence, en fait, de preuves et compagnie, donc il a été relaxé. On sait que, comment vous dirais-je, on sait aujourd'hui que c'est bien ce personnage qui était cet assassinat était prémédité par la CER.BI. Vous comprenez? Mais simplement, on retrouve le même cas qu'avec Lady Diana. Lady Diana avait fait donc une vidéo, enfin avait fait toute une émission en Angola contre les mines antipersonnelles, et elle s'était battue pour l'armement. D'accord? Si je vous explique tout ça, c'est que ces deux personnes, c'est assez étrange, se ressemblaient physiquement, enfin les mêmes styles. On les a d'ailleurs toutes les deux représentées pour les Reines des Cœurs. Jill Nando, je me rappelle très bien, le jour de son enterrement, où on l'avait aussi appelée la Reine des Cœurs, parce que tellement elle avait la même coupe de cheveux, enfin, et puis c'était une star, Jill Nando, voyez-vous. Tout ça parce qu'elles ont défendu, elles ont pris la défense des populations contre les sociétés d'armes. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais ? Donc là, c'est bon. Donc c'était le 26 avril 1999, 2 ans plus tard. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est les deux personnes que j'aimais le plus en Angleterre qui ont disparu et c'est ce qui a valu le coup. D'ailleurs, je vous lis avec le recul. Ma séparation d'Alan à l'époque, parce que je ne supportais plus, en fait, c'est pas que je ne supportais plus lui, je ne supportais plus le contexte qui était véritablement très lourd. Voilà. Donc, vous en savez un petit peu plus de ce que je pense, mais pour moi, Lady Diana n'est pas morte dans un accident. Lady Diana n'a jamais, pour moi, c'est tout commandé, prémédité et compagnie, tout comme Jill Dando. Et le plus fort, c'est qu'elles se connaissaient toutes les deux. Voilà, vous commencez à comprendre. Mais comme quoi dans la vie, il faut faire très attention. C'est pas parce que vous êtes chef d'État, présentateur de télévision ou autre chose que vous êtes à l'abri de ce genre d'événement. D'accord ? Voilà, alors je voulais vous raconter ce qui s'était passé cette nuit-là, cette semaine-là, et pourquoi je suis devenue aussi, vis-à-vis de la couronne d'Angleterre, aussi en recul. Voilà, je pense une chose qui pourra faire la différence, c'est si quand William sera roi. Là, ça commencera chez moi à faire la différence. Mais tout ce qui est la reine d'Angleterre, Charles et toute la clique, pour moi, vous voyez bien le Andrew, ce qui s'est passé, voilà, on les voit dans leur réalité commune, on va le dire comme ça. Voilà les amis, donc je voulais vous raconter cet événement, donc cette nuit, ce jour, cette histoire, parce que je pense... Bon, d'abord, ça vous fait comprendre un petit peu ce que j'ai vécu. Oui, j'ai pas vécu une vie ordinaire. Je n'en aurais pas voulu, moi, vivre les patins couffins, me marier à 20 ans et à 50 ans d'être, ou à 60 ans d'être toujours avec le même bœuf bourguignon. Non, ça m'aurait pas plu du tout. Voilà, les amis. Je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve, bien sûr, rapidement pour d'autres aventures. Ce mercredi, je sais pas ce qu'on va faire, mais on verra bien. Bisous tendres. À plus et ne soyez pas sages. Bye bye!